Salut à tous et à toutes, c'est le Toki25, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi je vais vraiment bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo sur Jack et Dexter, épisode, celle 2, c'est non, c'est Jack 2, pardon, Jack 2, hors la loi. Et oui, donc j'avais dit que j'allais refaire le Waltraut, hein, vous savez très bien. Voilà, donc je vais me taire pour la cinématique, je vais me taire pour l'instant. Ont connu la brûlure de la flamme pour devenir indestructibles. Les plantes ont résisté au vent puissant pour nous donner la vie. J'ai beau être un très vieux sage, je n'ai connu qu'une seule grande épreuve. Mais l'homme qu'elle a révélé est un héros à jamais. C'est le grand jour aujourd'hui, Jack. J'espère que tu es prêt. Prêt à tout. Je crois que j'ai compris comment fonctionnait cette machine. Elle interagit avec ce grand anneau des précurseurs. J'espère seulement que nous n'avons rien cassé en la déplaçant. Hein? Tu parles? C'est nous qui avons fait tout le boulot. Daxter, ne touche à rien. Les précurseurs ont beau avoir disparu il y a longtemps, leurs objets peuvent toujours être dangereux. Ils peuvent aussi être très utiles, il faut juste savoir les utiliser. Mon petit doigt me dit que vous allez réussir à le faire marcher. Il a toujours un type, Paul, ce type. Intéressant, on dirait. Mais oui, il semble analyser des paramètres. Oh! Regardez-moi ça. Enfin, la dernière porte faille est ouverte. C'est donc ainsi que ça s'est passé. Vous ne pouvez pas m'échapper. Fais quelque chose, Jack. Et si j'appuie là, ça donne quoi? Et là. Appuyez sur le bouton. C'était quoi ce truc? Approchez-vous bien. C'est la dernière. Quoi? Que je touche ce stupide truc des précurseurs? Le voilà. Allez-y. Éloigne-toi de l'animal. Laissez tomber le rat. C'est lui que le baron veut. On t'attendait, tu sais. D'injection d'écho noir terminé. Biorelevé nominaux et inchangé. Rien. On m'a informé que celui-là risquait d'être différent. Il résiste étrangement bien à vos expériences, Baron Praxis. Hélas, je crains que le projet Dark Warrior n'ait échoué. Ah! Tu devrais au moins être mort avec toute l'écho noir que je t'ai injecté. Et maintenant, les attaques des Metal Heads sont de plus en plus fréquentes. Sans une nouvelle arme, mes hommes ne tiendront pas éternellement. Il n'est pas question que mon nom soit associé à une défaite face à ces villes créatures. Passons au plan final. Et finissons-en dès cette nuit avec cette chose. Comme vous voudrez. Je reviendrai plus tard. Toudou, troisième étage. Des chaînes, des ordures, des instruments de torture. Hey, quelqu'un a vu un héros dans le coin? Waouh, qu'est-ce qu'il t'en fait? Jack, c'est moi. Daxter! Tu me dis pas bonjour? J'ai rampé jusqu'ici et j'ai risqué ma queue, littéralement, pour te sauver! Ça fait 2 ans que je te recherche! Dis quelque chose! Juste un mot! Je vais tuer Praxis! Pour le moment, il faut qu'on sorte d'ici! Je dois d'abord trouver comment ouvrir ces fichus verrous! Ah! Ok, tu pouvais le faire! Du calme, Jack. C'est ton vieux copain Daxter. Viens. Daxter. Mais c'est quoi ce Beans? La vache. Faut
surtout pas que je t'énerve, toi. Allez, bon grand, allez, l'affreux. C'est par ici. En fait, je t'ai apporté des fringues. Mets-les. Voilà, 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 Kevin. Yup tout le monde, donc je disais, j'espère que vous allez super bien, en tout cas moi je vais vraiment bien. Donc on est parti pour un petit Waltrow sur Jack 2, j'avais promis que j'allais le faire, puis après ça sera Jack 3. En attendant, vous avez vu, je pense que l'histoire est assez longue, désolé d'avoir toussé, éternué, je pense pas qu'ils aient entendu ce que j'avais coupé mi-temps micro à ce moment-là. Mais pour ma voix, je suis encore enrhumé, donc si j'ai une voix de canard, faudra m'en excuser, c'est normal. On arrive à la fin du rhume, hein. On arrive à la fin, je vous rassure. Donc premièrement, je vais donner un peu mon aperçu sur le jeu, hein. Je vais directement vous le dire, ce jeu est... Honnêtement, je préfère, entre les trois Jack, je préfère le premier. Pourquoi? Parce que c'est lui que j'ai passé beaucoup plus de temps, bien évidemment. Mais voilà, c'est mon avis personnel, après moi je vous dis, vous inquiétez pas, ça sera toujours aussi bien. Je pensais vous faire l'épisode en face commentary, mais il s'avère que mon PC lag, enfin la caméra lag, pourtant lors de mon dernier face commentary sur Rayman 3. Que je n'ai pas uploadé parce que je dois le recommencer maintenant puisque c'était quand je pensais arrêter YouTube, hein, pendant cette petite période noire entre guillemets. Donc je pense que tout ce que je dis dans cet épisode est à refaire puisque voilà, c'est différent. Autre chose, je pense que vous avez remarqué, on n'est plus dans... Pardon. On n'est plus en lan 0, on va dire, enfin 0, faut s'en parler. Toi t'es mort. On va dire, on était dans les ans 2000, 3000, je sais pas. Enfin, c'est déjà plus évolué que chez nous. Oh, la chute. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc, au passage, j'ai une cassette de secours. J'ai de l'écho noir et tout dedans. Donc, ah oui, l'écho noir, on va revenir directement. L'écho noir, c'est une substance chimique qui vous donnera des super pouvoirs. Pour ceux qui n'ont pas jamais joué au jeu, voilà. Ce sera une petite information pour vous supplémentaire. Voilà. Au passage, donc, je disais... Vous avez vu, donc la période, tout a changé. C'est malheureux parce que je préfère vraiment l'autre, moi. Honnêtement, je préfère vraiment l'autre. C'était beaucoup plus fun. Pourquoi pas T'es mort. Ouais, c'est bon. J'ai eu très peur, honnêtement j'ai eu peur de mourir, je vais quand même essayer de faire tous les épisodes sans me blesser ni mourir, ce serait vraiment bien. Faut quoi que sans se blesser c'est un peu dur pour ce qui va arriver après, mais c'est pas grave. Donc sur ce, écoutez, on est à 568 abonnés, je suis plus sûr, on va essayer d'arriver aux 600 pour... Et on se calme, hein. Eh mais c'est quoi ce... Voilà, sans se blesser... Bon, sans se blesser, c'est plus possible, puisque je vois que ce sont des malades mentales du tir dans ce jeu. Donc je disais, on va essayer d'arriver aux 600 abonnés, si pas, 700, 800, ça serait juste magnifique. Je pensais vraiment arriver aux 1000 abonnés en fin 2012, mais on n'y arrive pas, malheureusement. Je pense pas qu'on y arrivera, à moins d'un miracle, hein. Moi je trouve un bon truc. Bande de glands. Je prépare actuellement aussi un joli truc sur... Enfin, un joli truc... Je me suis avec un de mes abonnés qui n'a pas encore mué, donc on s'amusait. Je pense que vous le mettre peut-être mercredi, jeudi, je verrai, ça dépend si. Parce que bon, c'est un peu raté, et puis il y a quand même des insultes. Il y a quand même des insultes racistes, enfin une insulte de raciste dans la vidéo qui ont été dites par un mec en face. Donc ça, je pense pas un peu trop vraiment le mettre pour leur mettre un bip ou quoi. En fait, si vous voulez, je pense que vous avez tous connu les histoires. Enfin bref, là c'était. Je pense faire, c'est comment berner un français. Donc c'est très simple, mes abonnés qui n'a pas encore mué se fait passer pour une fille avec un joli petit pseudo, hein, joli Zoé la brunette, pardon, un joli petit pseudo bien chaud. Et je peux vous dire ça, on a vraiment berné un type, il y a vraiment cru jusqu'au bout, puis après je lui ai envoyé, et, bon il a joué le jeu aussi, et je pense qu'il a dû s'en élever sans douter, mais c'est pas grave. Bon écoutez, voilà, on va un petit peu avancer dans la ville, toi qu'est-ce que tu... Tiens, toi, que me veux-tu? Bonjour étranger, je m'appelle Cor. Puis-je vous aider? Vous avez l'air normalement intelligent. Donnez-moi des renseignements. Où est-ce qu'on est, là? Ah, désolé. Il débute dans l'art de la communication. Eh bien, jeune tempétueux, vous êtes l'hôte de sa majesté, le baron Praxis, qui gouverne notre glorieuse Abriville. Glorieuse, dans la prison du baron. Dans une cellule ou dans la ville, les murs nous encerclent. Nous sommes tous ces prisonniers. À propos d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, je partirais si j'étais vous.
Sur ordre de son éminence, le grand protecteur d'Abriville, le baron Praxis, toute personne dans cette section est soupçonnée d'avoir abrité des souterrains fugitifs. Rendez-vous et vous êtes mort. Excusez-moi, monsieur. Vous voulez dire rendez-vous ou vous êtes mort? Pas dans cette ville. Protégez-nous de ces gardes et je vous présenterai quelqu'un qui saura vous aider. Ouais, c'est parti. Je suis assez trousse. Ouh, voilà Dark Jack, donc toi tu te calmes. Pardon, problème monsieur, voilà. Hop, c'est nickel. Voilà, c'est tellement facile. C'était cool, recommence. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est de sa faute, je n'arrive pas à me contrôler. Très impressionnant. Ça va Jack? C'était très courageux de votre part. Cet enfant est très important. Ce gosse, il a l'air un peu crasseux. Vous êtes en zone, surveillez, dégagez de là. Merci encore pour votre aide. Mais je dois mettre ce garçon en sûreté. Hé, bah et nous alors? Une faction de souterrains a déclaré la guerre au baron Praxis. Son leader, le Sphinx, pourrait avoir besoin de guerriers comme vous. Rendez-vous au ghetto, dans une impasse près du mur de la ville. Demandez Thorn, il vous aidera. Allez, ciao. Voilà. On va aller parler Thor. Alors, au passage, j'ai vu que donc, je disais qu'on est en Verlan 3000. Là, bien la preuve qu'on peut conduire des avions et tout, c'est qui était une très très belle avancée technologique hein, par rapport aux anciens champs, aux anciens buissons et aux petits zoomers. Mais. Ce qui va être emmerdant, c'est que dites-vous que s'il y a des avions, il y a des armes, hein, vous avez vu. Et là, les armes, les ennemis, on va dire qu'ils sont beaucoup mieux armés que nous. Hein, je vais pas vous spoiler, non, je vais vous le spoiler maintenant. Au niveau des armes, moi, je vais être très 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 limité. Et eux, ils vont avoir un arsenal, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Ah, ça marche pas, tiens. Non, je ne sais plus, c'est pas grave. Ah oui, je connais ce jeu par cœur, hein, pour ceux qui auraient des petites questions, pourquoi je fais ça maintenant, quoi, enfin bref, c'est pas grave. Alors, il y a un truc, si vous tapez un garde accidentellement, donc si jamais, imaginez-vous, attendez, comme ça, si vous heurtez un garde, il vous poussera gentiment. Si vous le tapez, ça vous déclenche la guerre, et c'est le bordel, ça, je vais vous dire directement pour ceux qui n'ont pas encore joué. Si vous tapez un garde, ben voilà, ça sera la guerre, vous aurez des vaisseaux, jusqu'à ce que vous soyez caché pendant une bonne demi-heure. Nous sommes à la recherche de Thorn. C'est Kor qui nous envoie. C'est vous, Thorn? Il est peut-être muet. Tu l'étais bien, toi. Je me méfie des inconnus. Il paraît que vous voulez vous battre pour défendre la ville. Vous savez, choisir le mauvais camp, ça peut être dangereux. On veut voir le Sphinx. Rien que ça. Tu veux te rendre utile? Avec ta marionnette, tu devrais aller faire du cirque. À moins que vous ne soyez moins minable que vous n'en avez l'air. Rapportez-moi le drapeau du baron qui flotte au sommet de la tour délabrée. Ensuite, on en reparlera. Bon, si ce n'est que ça. Alors, pour vous donner une petite idée, donc, enfin, je pense sur une bonne demi-heure de vidéo, pas plus. Hein, je vais commencer par un petit Waltrow très léger. Je vais pas vous charger avec une heure de vidéo. Je pense que le dernier épisode de Jack et Daxter, le final, lui, je l'ai fait très 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 long, en une traite. Je m'étais dit que ça valait le coup, donc je l'ai fait vraiment en une traite. C'était pas très très fameux, puisque je pense que les vues n'avaient pas suivi, enfin c'est pas grave. Mais écoutez, maintenant, je partiens un peu mon idée, donc... oups. Oui, zut, j'allais dire un truc. Donc voilà, oui, je parlais donc de ce truc là qu'on a fait avec le français. C'est vraiment à prendre au second degré, hein. Faut pas prendre ça mal ou. Mince. Mauvais côté. Faut pas prendre ça mal ou quoi, c'est vraiment du deuxième degré, hein. Ça se précise. Quand je mettrai en ligne, évidemment, quand ça sera un premier essai. Après, je testerai si ce concept vous intéresse, on pourra voir pour faire d'autres choses. Voilà, on va dans la. Tiens, ça ne marche plus quand on fait triangle, ah oui, donc je pense que vous savez très bien. Dans le Jack 2, enfin Jack 1, pardon, quand vous faites triangle, vous pouvez zoomer, hein, parfois je le faisais pour zoomer, pour voir où était une orbe ou ok, c'est bah ici, bah... Mais, saleté! Tu m'as coupé en plein commentary. Voilà, donc franchement, je vais être honnête avec vous, pour ceux qui n'auraient toujours pas...
le jeu, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Je pense que j'ai quand même quelques amis qui ont acheté le jeu grâce à moi. Enfin, je le comprends entièrement, c'est fin. Sale bête. Ce jeu est vraiment passionnant, honnêtement. J'étais honnête avec vous. Hein. Je serai toujours honnête avec vous. Honnêtement, je vous mentirai jamais. Voilà. Comme ça, ça s'est dit. Ce jeu vaut vraiment la peine. Bah, je suis pas partenaire ni rien. Je dis pas ça pour que vous l'achetez, mais. C'est vraiment que ce jeu vaut la peine, puisque bon. Vous voyez, vous pouvez vraiment avoir du plaisir là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir la PS2, ou que leur PS2 fonctionne plus, ou quoi. Saloperie. Mais ce jeu est beaucoup plus dur que le premier, puisque le premier c'était vraiment de la pure aventure, d'exploration, de temps en temps du. Enfin. Pas vraiment de temps en temps du combat, mais. Quelquefois. Oh, 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 ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, le décor qui se casse, c'est original ça. Faut aller par où? Ah, par là. Ah bah oui. Ah, le décor qui se casse, c'est original ça. Limite, ça veut vraiment dire t'es nul, hein, enfin t'es mort. Bon, un petit tour de la ville avant. Trop tard. Oups. Ouh, oui. Ok, je vous donne une chance. Bon. À en juger par l'ampleur des dégâts qu'ils ont causés, je peux vous dire, je pense que vous devinerez que si la première mission vous donne déjà un bordel absolu, je pense que ça donnera un aspect des secondes. Hein. Enfin bref, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire maintenant? Je pense que j'étais un peu trop vite. Oh, il y a une herbe là-bas, tiens, une petite herbe, je pense que vous la voyez droit devant moi. J'entends du bruit. Ok, je deviens fou. Hop. Écoutez, je vais refaire encore une mission, puis je vais arrêter. On va vraiment rester simple. On va pas se compliquer la tâche. On va vraiment faire cool, vraiment easy, hein, comme easy money via DigiLix. Et allez, c'est parti. En fait, récemment, j'ai vu. J'ai assisté aussi. Un montage, je vais lire, un montage sur Code QG, je trouve vraiment très impressionnant. Juste pour le modèle Alpha 2, modèle Blur, Alpha 3 m'intéresse pas. Je vous donnerai le lien, enfin je pense qu'il est apparu hier, il y a deux jours sur Code QG. Je sais pas si vous l'avez vu, franchement si vous l'avez pas vu, bah, vous ratez un truc énorme. Enfin juste à partir du modèle Alpha 2. Hein. Je ne sais plus trop quoi, c'est à vous taper, vous regardez dans les dernières vidéos. Le titre c'est modèle Alpha 2, modèle Alpha 3, mon Teamtage, Art, je pense c'est Art Gaming, je sais plus trop quoi. Ça va franchement. Je fais pas de la pub, mais au niveau des trickshots et tout, c'est. Ça trouve le cul, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Ah, moi aussi j'ai soif, ça tombe bien. Le baron a coupé l'eau dans le ghetto. Il est déterminé à sacrifier des innocents pour se débarrasser des souterrains. C'est tout lui, cette cruauté. Je l'ai bien vu quand je servais chez les Grenagardes. C'est pour ça que je suis parti. Vous avez servi chez les Grenagardes? Ça explique votre charmant sens de l'humour. Selon un de mes amis Grenagardes, la valve pour établir l'eau se trouve à l'extérieur de la ville, à la station de pompage. À l'extérieur de la ville? Et les murs de sécurité? Il y met à l'aide, alors! C'est la jungle là-dehors! Ça rugit et ça miaule à tout va! Trouvez le grand tuyau de drainage qui vous mènera en dehors de la ville à la station de pompage. Trouvez la valve principale et ouvrez-la. Si vous vous en sortez vivant, le ghetto vous devra une fière chandelle. Sinon, on fera peut-être une minute de silence pour vous. Et pour lui, ce sera un sale quart d'heure. Voilà, je pense que ce sera la seule mission que je vais faire aujourd'hui. Enfin, la dernière mission que je vais faire. Simplement parce que, bon, au passage, je sais pas si ça entend ma voix, je suis un peu crevé. Je vous imagine, on est lundi, je suis déjà crevé. J'aurais besoin d'une aide pour Sony Vegas. Pour si quelqu'un pourrait me donner le crack pour Vegas Pro 10 64 bits.
et déjà où le télécharger puisque les tutoriels sur YouTube de Vegas Pro 10 64 bits, soit c'est la occasion du Vegas Pro 9, il faut patcher tout tralala et ça fonctionne pas. Soit il faut mettre un zut, allez. Il faut il y a pas je trouve même pas le 10 du tout, donc si jamais quelqu'un s'est trouvé le crack de Vegas Pro 10 64 bits, qu'il soit gentil de me l'envoyer par message. Et autre chose, parce que là pour l'instant j'ai Vegas Pro 11 et j'arrive pas à rendre en MP avec le fichier en 23, enfin 29,97 images par seconde, hein, je dois rendre à 25 ou à 59 et le rendu soit il merde, soit il est trop long. Donc enfin il est trop long par rapport à 23, 29 images de jeu d'habitude. Attends, on va essayer de faire un frontal. Boum. Tu veux mourir ? Toi si t'es mort. Attendez, on va essayer quelque chose. Non, pas à ce moment là. Voilà. Comme quoi vous voyez que le... Au niveau du jeu, c'est... Ah oui, donc j'explique que les trois quarts du jeu se passeront dans cette ville et un petit peu à l'extérieur. Voilà. Dans la ville, dans l'extérieur de la ville, dans les souterrains, et puis ça c'est vraiment. Ah oui, les Metalheads, ce sont les nouveaux Lurkers. Pour ceux qui ne savent pas. Les Metalheads c'est égal à Lurkers. Dites-vous que ce sont des Lurkers, comme dans le premier Jack and Daxter du nom. Voilà. Et les gemmes, bah, ce sont des piles d'énergie, on va dire ça. Les gemmes, ce sont des piles d'énergie, voilà. Comme ça, pour ceux qui auraient du mal avec ce jeu, bah, ça vous... Un petit résumé. Une petite aide rapide, voilà. Alors, il y a une orbe là-bas. Alors, autre chose, vous avez vu là le trick shot du noob. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était nul. J'ai dit que c'était fait exprès. J'espère que vous l'avez compris maintenant. Et il y en a beaucoup qui ont dit lobby, blablabla. Alors, c'était une infection visée solide. C'était pas la M-Bot, hein, comme vous savez très bien. La M-Bot qui fait. La M-Bot, hein, vous savez, vous appuyez sur L1, vous visez un mec across the map, enfin, vous dénoscope et tout. C'était pas ça, c'était juste la petite croix visée solide. Voilà. Voilà, c'était comme ça, je dis une dernière fois pour toutes parce que je pense que les commentaires ils défilent là-dessus et beaucoup n'ont pas encore capté que c'était ça quoi. Voilà. Autre chose, peut-être, je ne sais pas si je. À vrai dire, ce commentaire, je vais quand même essayer de dire tout entièrement. Problème ? Voilà, on me cherche pas, c'est moi le plus fort. Sale bête. Non, ouf, tout juste. Alors, eux, je m'en occuperai plus tard, c'est pas grave, on n'est pas là pour eux. Encore ? T'as raté ! Pauvre noob ! Bon, je vais essayer de m'en faire un maximum sur mon... Attends, on va... Hop. Et parfait. Parce que je voyais du monde à Bamba. Allez. Eh, Minou. Voilà. On va faire le plus simple possible. Hein. Je vais pas me fatiguer longtemps pour... Alors, on arrive bientôt déjà à la fin, malheureusement. Alors vous voyez cette zone, ces barrettes, c'est pour plus tard, hein, enfin je vous explique. Je vais pas vous le spoiler maintenant, ça serait vraiment crado. Donc je vais me taire. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça vous mène très 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 loin hors de la map, en fait ça vous mène vraiment loin hors de la map. Et j'avais jamais en fait et... Mais sale bête. En fait, j'ai fait un petit truc, j'étais une fois baladé par là et je suis tombé nez à nez avec une magnifique surprise. Donc pour ceux qui savent pas, donc pour ceux qui auraient déjà fini le jeu, vous prenez le jetboard, vous grindez là-dessus et voilà. Bon, on arrive sur une petite séquence, c'est marrant, enfin marrant. C'est assez sympathique, je vais me taire et je vous laisse admirer. Oh,
Lol. Ne dis rien. Ne ris surtout pas. La prochaine fois, c'est toi qui ouvre la valve. Enfin bref, c'est un petit moment d'humour assez sympathique, même si on sait très bien que c'est Jack qui tapait dans sur la valve pour qu'elle s'ouvre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pardon. Bizarre. Décidément. Alors j'ai Jacquard. Je dois aller à deux endroits. Bah ça, quoi, je vais aller au premier. Je vais aller au premier, puis je vais aller bâcler le deuxième. Je vais aller confirmer la mission entre guillemets au deuxième, et puis ça sera bon. Bon, effectivement, vous voyez que c'est vraiment long. Hein. Donc si jamais vous prenez pas de vaisseau, bah meilleur ce que je fais là, ce que je fais actuellement, c'est vraiment long d'aller à pattes. Donc oh. Non, pas joli. Bon, on va aller à nage, pas grave. Alors voilà, une astuce pour nager plus vite, vous rentrez dans l'eau, vous sautez, vous rentrez, vous sautez, ainsi de suite. Oh, il bug. Attendez. Plouf. Voilà. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que les gens, ils ont peur pour rien. Vous tapez un coup, vous tirez un coup en l'air, c'est fini. Mais vous aurez... le ménage total sur la map. Salut toi. Grand guerrier, je sens une grande colère gronder en vous. Et avec le temps, la folie pourrait bien vous emporter. Seule la dernière énergie des précurseurs peut vous sauver. Éliminez mes ennemis, ces créatures que vous appelez Metalheads. Rapportez-moi 25 de leurs gemmes crâniennes et je vous apprendrai à maîtriser ces énergies. Ok, ça roule. Bon, en tout cas, je vous dis un truc, honnêtement, rappelez-le-vous bien. Vous savez qu'on était téléporté dans le futur, mais on savait pas où est-ce qu'on était téléporté dans une ville, mais où était la ville à la base. Je ne vous dis rien. Donc, retenez bien l'endroit. Non, ça c'est un gars, ça c'est un vaisseau ennemi. Un vaisseau ennemi, c'est pas bon. Voilà. Retenez bien l'endroit de départ de la cinématique de base. Hein. Vous avez vu que la maison du sage vert, la hutte du sage vert. Oh, oh, ça c'est mon jour de chance. Voilà. Et tenez, voici quelque chose. Rapid fire. Ah non, le noob. Non. Attendez, on va essayer de... Voilà. Voilà, vas-y. Prends, mange. Pardon. J'ai dit pardon. Mais ah. Mauvais conducteur. Bon, je suis vraiment nul au pilotage, je pense que vous l'avez remarqué. Hein. Voilà. C'était le petit moment d'humour. Ah oui, j'ai oublié de préciser, si vous tuez un civil, vous pouvez taper le civil et enlever la moitié de sa vie, mais pas plus. Oh, une tourelle, salut. Et voilà. C'est parti. Donc écoutez, on va se quitter là. Je pense avec... Ouais, bah voilà, une demi-heure de vidéo, c'est parfait. Enfin, 29 minutes, c'est juste parfait. J'aimerais bien voir les têtes pour le parfum la prendre. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ce trouara l'empêche de dormir en paix. On a fait ce que vous nous avez demandé. Alors quand va-t-on voir le sphinx? Quand je le dirai. Si je m'y décide. Oups. Mais avant, vous allez vous occuper d'un dépôt de munitions qu'on a repéré à la forteresse. Plein de soldats grenagardes, des patrouilles partout. Le dépôt est mal protégé et les souterrains comptent sur vous pour faire exploser toutes les munitions que vous trouverez. Si vous réussissez, on aura nuit aux forces du baron. C'est nous qui allons faire le boulot, gros dur. Alors c'est nous qui aurons nuit aux forces du baron. Tant mieux. Bon. Je veux que le baron sache que c'est moi qui l'attaque. Voilà.
Écoutez, voilà, donc, je vais m'arrêter ici, donc la vidéo touche à sa fin. Bah, ça fait quoi, je reste à l'intérieur, bien au chaud, voilà, il y a pas de choses, on peut pas se balader ici. Un lit, voilà, si vous voulez dormir ici, c'est pas grave. Donc sur ce, je vous dis, bah, n'hésitez pas à me faire exposer la boîte d'HM comme d'habitude, à mettre un commentaire, un favori, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à ne pas rater les prochains épisodes, ça ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.